Et moins de 24 heures après ce match, l'affaire Chikambou a pris de l'ampleur via les réseaux sociaux. Le capitaine de l'Élan Chalon, mécontent du fond de jeu de son équipe, a fait en sorte de se retrouver sur le banc de touche. Un acte isolé qui a entraîné des déclarations virulentes de l'entraîneur et du président. Steve Chikambou a donné sa version des faits à Stéphane Robert et Guillaume Le Goff. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout bête. Je pense que depuis la semaine des As, quand on a gagné la semaine des As, on se repose un peu sur nos lauriers et on joue pas le basket qu'on doit jouer. Et il y avait un petit fond qu'il fallait sortir. Et moi, la seule solution que j'ai trouvé ça, c'est de le faire sortir, c'était de m'exprimer comme ça sur le terrain. Mais après, je pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Ce que j'ai fait, ça a servi à l'équipe pour que ça sorte. Et après, sur la forme, comme j'ai dit, c'était pas la meilleure des manières. Bon, il y aura quelques sanctions, vous en doutez, j'imagine. Des sanctions, je sais pas encore. Hein. J'ai rien, pour l'instant, j'ai rien et j'ai rien reçu. Donc voilà, on m'a demandé de m'excuser. Voilà, je m'excuse, hein, public chalonnais, l'équipe, le président, le coach. Voilà, je m'excuse, moi, tout ce que j'ai fait, c'était pour aider l'équipe. Et je suis le capitaine et je suis un meneur, et quand je sens quelque chose, il faut que ça sorte. Et comme je suis un sanguin, c'est sorti comme ça.